Salut à tous les palpilleurs, Varkai, c'est la manette, rendez-vous aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Raven Redwood pour savoir comment avoir l'atout speedrun amélioré. Donc quand vous aurez pu améliorer cet atout, vous sprinterez vraiment à une vitesse époustouflante les players. Donc je vous montre tout ça dans cette vidéo, allez let's go. Il vous faudra tout d'abord récupérer 3 objets. Le masque de hibou, le poisson et puis enfin la petite tétine. Alors chacun de ces 3 objets auront 2 emplacements différents dans la map. Alors let's go, je vous montre l'emplacement de ces 3 objets. Le masque de hibou peut se trouver à côté de l'atout Bomber Stop au pied des escaliers. Deuxième emplacement, à proximité de la terrasse posée sur une marche d'escalier. Une fois que vous aurez trouvé le masque de hibou, il vous faudra vous rendre dans la deuxième maison histoire de poser le masque de hibou sur un portrait. Une fois que vous aurez déposé le masque de hibou, il faudra tout simplement tirer sur le trousseau de clé qui se situe juste à côté pour pouvoir récupérer le masque de hibou. Le poisson se trouve dans le camping, juste à côté du feu de camp, dans un petit coin, ou soit dans les égouts positionnés au sol. Une fois que vous aurez récupéré le poisson, rendez-vous directement à l'embarquement où vous devrez positionner le poisson juste à côté des bouées de sauvetage. Une fois que vous aurez déposé celle-ci, il faudra viser une lueur bleue dans l'eau à l'aide d'une grenade. Une fois que vous aurez fini de faire cela, il faudra récupérer le poisson qui sera positionné à côté des bouées de sauvetage et qu'il faudra équiper obligatoirement avec votre arme principale. La tétine se trouvera à côté de la mer dans un tas d'herbes hautes. Une fois que vous aurez récupéré la tétine, il faudra la positionner sur le comptoir de la deuxième maison. Une fois que vous aurez déposé la petite tétine, vous serez bloqué dans la deuxième maison. Il vous faudra faire un certain nombre de kills pour pouvoir en sortir de la deuxième maison et pour pouvoir récupérer la petite tétine. Une fois que vous aurez récupéré les 3 objets, il faudra intervertir le masque avec la petite tétine une 30aine de fois. Tout en gardant le poisson sur votre arme principale, donc avec votre deuxième arme vous devrez intervertir le masque et la tétine. Et donc si les objets ne s'intervertissent plus, il faudra tout simplement attendre une petite minute. Et voilà, quand vous aurez interverti ces objets une 30aine de fois, vous pourrez apercevoir que votre personnage courra à une vitesse vraiment époustouflante. Et voilà, vous aurez réussi à avoir un sprint amélioré. Pour les payeurs, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, c'est le cas, ça me ferait vraiment plaisir. À commenter pour dire comment vous trouvez cette petite astuce pour améliorer votre petit sprint. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me ferait aussi vraiment plaisir. C'était Varkai Gaming et je vous dis à très bientôt les players pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.